Bonjour à toutes les filles de Marie-Clarac, c'est Paul Robitaille, je suis la députée de Bourassa-Sauvé à l'Assemblée nationale. Bourassa-Sauvé, c'est Montréal-Nord. Écoutez les filles, je voulais vous féliciter parce que j'ai ouï dire que vous avez été fantastiques durant l'année 2020, qui n'était pas une année facile, hein? C'était l'année de la pandémie entre autres, et première vague de cette pandémie-là, il y a eu un confinement qui était évident pour personne. Rester avec ses parents 24/7, pas toujours évident, mais j'ai ouï dire que vous avez très très bien fait les choses durant la deuxième vague, virtuelle une journée, présentielle l'autre, vraiment pas évident, mais vous avez passé à travers, bravo, c'était très très bien, et puis on s'accroche, c'est pas fini, mais vous êtes sur la bonne voie. Aussi, je voulais simplement vous dire, moi comme politicienne, j'ai découvert l'engagement social. Je vous invite à le faire. Quand on travaille avec les gens, quand on aide les gens, on apprend beaucoup sur nous, on apprend beaucoup sur eux. Et puis, ça fait tellement du bien de donner, parce que quand on donne, on reçoit en centuple. Ça peut être parler à sa grand-maman, à son grand-papa, à sa grande-tante, à du monde qui se sent seul. Faites-leur raconter leur vie, écoutez leurs histoires. Vous pouvez apprendre énormément de nos aînés, des gens qui ont vécu une vie. Là, tout le monde a son histoire, tout le monde a ses leçons de vie et ça vaut la peine de les écouter, de leur poser plein de questions. Vous pouvez aussi vous impliquer avec nos organismes communautaires, il y en a plein à Montréal-Nord. Je pense aux Fourchettes de l'Espoir qui font du dépannage alimentaire. Je pense à L'Amour en Action qui travaille avec les itinérants à Montréal-Nord puis qu'ils ont besoin de bénévoles en ce moment. Vous apprendriez énormément avec eux. Moi, je trouve ça fascinant. Et puis, il y a plein d'autres organismes. L'Escale, il y a Woodstock, il y a plein de choses. Écoutez, et puis aussi, ben, vous pouvez venir faire un tour ici au bureau de comté. Ça me ferait énormément plaisir de vous rencontrer, de vous poser des questions, de voir ce qui vous intéresse, ce qui ne vous intéresse pas, ce que vous aimeriez améliorer dans la société, votre opinion sur ce qui se passe. Ça me fera toujours plaisir. Alors, bonne année 2021, profitez des fêtes, donnez des gros becs à vos parents, à vos grands-parents. On est solidaires, on est ensemble, puis on va passer à travers la crise. À bientôt les filles!